May God bless you. I apologize first for the English speakers because this topic I want to speak first in French for the French speakers, and after I have also to explain it in English. It's a so important topic to talk about the sign of Messiah according to Luke chapter 17 verse 30. That is creating the trouble today. Many they believe that Brother Branham was with the fullness of God. Other they say he was God. Other they say he was Elohim. Other they say it's the second coming of Jesus. There's a lot of things surrounding these things that I want to talk about it now to show that the sign of Messiah, it was a permissive will of God. It's not the perfect will of God. Sorry, I saw the English people, they are already there. Brother Daniel, I saw you. You are already there. But now I start with French because French people, they are also already there. I want to start with French. And now I finish with English. I will start also second part with English because it's the French people who started to ask me to expose about it. Now I apologize. I have to start with French. After, I will now start also with English. God bless you. Je disais ceci. Je vais faire une mise au point à propos de Luc 7:30, les signes du Messie. Parce que beaucoup de gens dans les messages de Frère Branham aujourd'hui, ils sont dans la confusion à propos de Luc 7:30.
Nous pouvons lire ça dans la Bible. Seigneur Jésus-Christ, tu m'as mis à cœur cette mise au point, aide-moi à parler à tes enfants. Donc, lisons d'abord dans la Bible, Luc 17, 30. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme se révélera. Cette partie de la parole nous divise dans les messages de Frère Branham. Donc, nous ne parlons pas un même langage seulement à cause de cette promesse ici de Luc 17, 30. Mais Dieu m'a mis à cœur pour vous parler ça. Parce que Frère Branham dit, les signes du Messie que les gens aiment parler, le discernement, c'est une volonté permissive de Dieu. Une volonté permissive de Dieu. Le discernement prophétique là. Que beaucoup de gens disent que c'est ça la seconde venue physique. Les autres disent que c'est ça même Branham et Elohim. Les autres disent Jésus est venu. Les autres disent que non, nous sommes dans le millénium. Les autres disent que non, il avait la plénitude. Les autres, il y a beaucoup de choses autour des signes du Messie. Mais nous allons lire Frère Branham lui-même. Frère Branham nous dit que les signes du Messie, c'était la volonté permissive, ce n'est pas la volonté parfaite. La volonté parfaite, c'était la commission. Amen, les gens te croient, croire la parole, croire que j'étais envoyé, croire le message, avoir la foi parfaite. Avoir le Saint-Esprit, être adopté pour aller au ciel. Parce que Jésus a dit, heureux celui qui croit sans toutefois avoir vu. Maintenant, beaucoup de gens tournent autour du signe du Messie. Frère Branham a prêché les panneaux publicitaires de Dieu. Il dit, il ne faut pas regarder au signe. Regardez à la ville que les signes vous indiquent. Les signes nous montrent quelque chose. J'ai un ami à Lubumbashi, Mwamba, frère Mwamba. Il est déjà mort, que Dieu, que son âme repose en paix. Il me disait, son frère était de sciences occultes. Et il lui disait toujours que, mais frère Branham vous a montré quelque chose. Vous regardez seulement son doigt. C'est la vérité. Nous nous basons seulement sur les signes du Messie. Les signes du Messie. Branham a tourné le dos comme Elohim. Il est Elohim. Toutes ces choses-là. Même si Branham a tourné le dos, même s'il a fait comme Elohim, Branham dit que toutes ces choses-là, c'est seulement la volonté permissive, ce n'est pas la volonté parfaite. Mais comment vous prenez quelque chose qui est la volonté permissive? Les signes du Messie, là que vous parlez, vous dites que c'est ça la seconde venue. C'est ça la plénitude de Jésus en Branham. Mais lui-même dit que c'est une volonté permissive. C'est seulement un appât pour attirer les gens vers la commission. Mais vous prenez les signes du Messie là, vous faites toute une doctrine. Et vous amenez les gens à croire que Branham est Dieu, Branham il est Jésus, Jésus est déjà venu, et donc nous sommes dans le millénium, la plénitude est en Branham, seulement à cause de cette promesse ici. Mais écoutez Branham lui-même, comment il va vous contredire à partir de ces signes ici. Nous savons que nous allons lire d'abord dans la Bible. Nous lisons Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moïse répondit, ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était pas apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. L'Éternel dit, jette-le par terre. Et il le jeta par terre. Et cela devint un serpent. Moïse s'enfuit devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Je m'excuse, hein, il y a la pluie, c'est pourquoi il y a le bruit. Pardonnez-moi, il y a la pluie ici, c'est pourquoi il y a un peu de bruit. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue.
Il étendit la main et le saisit. Et cela redevint un bâton dans sa main. C'est dit l'Éternel. L'Éternel dit, enfin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, qui est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Et il met sa main dans son sein. Puis, il la retira. Sa main était couverte d'une lèpre blanche comme de la neige. Il dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein. Puis, il la retira de son sein. Elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croiront pas, dit l'Éternel, et ne prêtent pas attention au premier signe, ils croiront à ce dernier signe. S'ils ne croiront pas, même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du Nil et tu la répandras sur la terre sèche. Et l'eau que tu auras prise du Nil deviendra du sang sur la terre sèche. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, non, on se limite là. Voyez que Dieu, quand il envoie le messager, il lui donne toujours les signes. Quand il a envoyé Moïse, il lui a donné deux signes. Les deux signes là, c'était pour confirmer la commission de faire sortir les enfants d'Israël, de les faire croire de sortir Égypte, aller en Canaan. Mais les signes, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, en 1946, Frère Branham avait rencontré l'ange. L'ange lui avait donné deux signes. Le premier signe était, il touche quelqu'un comme ça et ça vibre. S'il y a la maladie, il voit ça. Deuxième signe, il lui avait dit, tu vas commencer même, c'était la prophétie. Tu vas commencer même à discerner les cœurs et des pensées des gens. C'était le deuxième signe. Nous allons lire Frère Branham. Frère Branham dit, tous les prophètes de Dieu, tous les messagers de Dieu ont toujours trois signes. Trois poules. Noé avait trois poules. Moïse avait trois poules. Jésus avait trois poules. Frère Branham a eu aussi trois poules. Nous pouvons lire ça dans la brochure. Parce que le problème, les gens pensent aussi, oh, Branham a eu trois poules. Oui, il n'est pas le premier à avoir les trois poules. Même nous allons manifester les troisièmes poules. Nous manifestons ça déjà. Lisons Frère Branham. Dans la brochure, le loin du temps de la fin. Prêché le 25 juillet 65. Paragraphe 262, Shekinah Publication. Remarquez, le jour même où ce messager, pas quand il se met à parler, mais quand il commence à annoncer son message, voyez, le premier poule, la guérison, le deuxième poule, la prophétie, le troisième poule, l'ouverture de la parole, les mystères révélés. Il n'y a rien de plus élevé comme rang pour révéler la parole que les prophètes. Mais le seul moyen par lequel les prophètes peuvent être confirmés, c'est par la parole. Et rappelez-vous, le troisième poule, c'était l'ouverture de ces sept sceaux pour révéler la vérité cachée qui avait été scellée dans la parole. Le voyez-vous? L'Assemblée dit Amen. Maintenant, Frère Branham dit ceci dans la brochure. Les âmes qui sont maintenant en prison,
prêché le 10 novembre 63. On a dit que Noé avait trois poules, Jésus avait trois poules, Moïse avait trois poules, même lui, Branham, a eu aussi trois poules. Même chez Abraham, il y a eu trois poules. Lisons ça. Les âmes qui sont en prison, à partir de paragraphe 277 jusqu'à 200, nous irons même jusqu'en 388, mais je vais sauter. 277, il parle des trois poules de Jésus ici. Mais vous ne pouvez pas tuer le ministère. Et il continue à vivre. Vous pouvez endormir le messager, mais vous ne pouvez le faire pour le message. Oui, c'est vrai. Il continue à vivre. Et remarquez, quand le troisième poule de son ministère, le troisième poule du ministère de Jésus-Christ, le premier était la guérison des malades. Le deuxième était de condamner les organisations et de prophétiser sur ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils étaient et sur ce qui allait arriver, sur ce qu'il y a, ce qui viendra et ce qu'il y avait, ce qu'il y a et ce qui viendra. C'est ce qu'il fit. Et c'est vrai, l'Assemblée dit Amen. Mais son troisième poule fut quand il prêcha aux perdus, qui ne pouvaient plus être sauvés. Ils étaient là où il y avait ces gros yeux fardeux. Il prêcha aux âmes en enfer, qui n'avaient pas accepté la miséricorde, mais qui étaient séparés pour toujours de la présence de Dieu. Et pourtant, ils durent connaître cela, ce qui était parce que Dieu l'avait envoyé. Ça, c'est Jésus qui a manifesté les trois poules. Je me demande si, donc, 280, je me demande si son ministère opère de la même manière dans les derniers jours, comme il en fit autrefois. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Perdu, 281. Perdu, ils ne pouvaient jamais être sauvés. Ils avaient rejeté la grâce. Ce fut son troisième poule. Maintenant, y a-t-il une question? Dans son premier poule, il guérit les malades. Et c'est vrai? Amen. Dans son second ministère, il prophétisa. Dans son troisième ministère, il prêcha à ceux qui sont perdus pour toujours. Les trois montagnes, exsège, les perdus pour toujours. 283. Le ministère de Noé, tous les ministères ont opéré de la même manière. Noé prêcha, c'est tout à fait vrai. Il entra dans l'arche, et lorsqu'il entra dans l'arche, il y eut 7 jours pendant lesquels rien n'arriva. Par son témoignage, il prêcha ainsi aux condamnés. 284. Sodome et Gomorre, Jésus se reflète. Non. 285. Noé eut trois poules. Et son troisième poule pour les perdus, après que la porte y était fermée. En effet, Dieu les laissa se tenir juste là, où personne ne pouvait entrer ou sortir. Ils étaient à l'intérieur, car comme sur la 7e montagne, la montagne la plus élevée, c'est là qu'il déposa l'arche sur la montagne. 286. Au temps de Sodome, donc le temps d'Abraham, il y a aussi trois poules encore. Le premier poule était pour Lot, le juste. Et la Bible dit, le péché de Sodome tourmentait son âme juste. La façon dont les femmes agissaient, ce qu'elles faisaient. Souvenez-vous, comme fit au temps de Noé. Que faisait-il? Il mangeait, Branham répète cela. Il continue. 290. Mais regardez celui qui est allé derrière. De plus en plus de grâce. Tout était alors terminé. Tout fut terminé à ce moment-là. Ce troisième messager qui allait là-bas, le troisième poule. Qu'était-il? Quel genre de ministère avait-il? Il est resté avec les élus et leur dit ce qui se passait derrière lui. Et c'est vrai, mais quand il allait vers Babylone, ou plutôt vers Sodome, il voulait trouver. Même Abraham cria, si je pouvais trouver 50. 301. L'ont-ils fait de nouveau?
Est-ce que cela est apparu dans une colonne de feu, là-bas à la rivière? Faut madame continuer ici. Donc, Moïse aussi a eu trois poules, paragraphe 349. 348 d'abord. Trois est la perfection. Le ministère est arrivé à sa perfection quand il révèle de nouveau Christ dans le naturel parmi des êtres humains, comme il avait été prédit, comme il en était au temps de Lot. 349. Oh, réfléchissez. Les gens peuvent continuer à prêcher, pensant qu'ils sont sauvés, croyant qu'ils agissent bien, croyant que leur organisation croisse, bien sûr, mais sans même un rayon d'espoir. Et si telle était cette vision, et que cela était si dur à l'égard des femmes, c'est que nous sommes arrivés à cette ère. La porte est fermée, c'est fini. Déjà le livre est dans la main. Pensez-y. 388. Ceux qui n'étaient pas sous le sang moururent sans miséricorde du temps de Moïse. C'était le dernier poule de Moïse. Le premier, un jeune homme, parla à Israël. Le deuxième, il alla le délivrer. Le troisième, c'était le dernier message. Le miracle ayant été accompli, Moïse était en route avec les rachetés pour la terre promise. Oh Dieu, sois miséricordieux. J'ai pris au nom de Jésus. Vous comprenez que Noé a eu trois poules. Moïse a eu trois poules. Jésus a eu trois poules. Même du temps d'Abraham, il y a eu trois poules. Frère Branham a eu trois poules. Lui-même parle ici. Toujours les hommes qui sont en prison. D'abord, j'ai lu ça là, il parle de... Branham dit ici qu'il a eu dans les brochures le ouin du temps de la fin, 1963. Il dit qu'il a eu aussi trois poules, lui Branham. Écoutez. Remarquez le jour, même où ce messager, donc lui Branham, pas quand il se met à parler, mais quand il commence, il annonce son message. Vous voyez, le premier pour la guérison, deuxième pour la prophétie, troisième pour l'ouverture de la parole, le mystère révélé. Il n'y a rien de plus élevé comme rang pour révéler la parole que le prophète. Le troisième pour, Frère Branham, c'était l'ouverture de sept sceaux pour révéler la vérité cachée qui avait été scellée dans la parole et aussi pour prêcher aux perdus. Comme Jésus avait fait, comme Moïse avait fait, comme Noé avait fait, comme Elohim avait fait chez Abraham. Branham aussi, il a manifesté troisième poule aussi prêcher aux perdus. Il a dit ça dans les âmes qui sont en prison. Paragraphe 116. Il dit ceci. Les ministères doivent être semblables au point qu'il a dit, je vois certains de vous inscrire les passages de l'Écriture. Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voyez, les œuvres prêchées aux perdus, guérir les malades et ensuite ceux à qui il est impossible d'être sauvé. Voyez, l'œuvre a continué de la même manière. Ainsi, ceci a été, puis-je le dire comme ceci, le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné dans son Église en ces derniers jours. C'est ce que beaucoup de nous croient. Je le crois avec vous. Je crois ceci. Si ce n'était pas le cas, je ferai quelque chose d'autre à ce sujet, parce qu'après tout, c'est moi qui suis concerné dans ceci. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, vous êtes inquiet au sujet des gens. Branham aussi devrait aussi comme Elohim. Donc, c'est ça. C'est le troisième poule. 124. Vous êtes une partie de Dieu. Et je suis une partie de Dieu. Mais je ne suis pas tout Dieu. Et vous non plus. Voyez-vous? Vous voyez, ce sont les attributs de Dieu, la parole. Remarquez, 127, remarquez, c'est le même Saint-Esprit qui habitait en lui. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Parce que je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Je viendrai à vous. Dit-il, c'était le Père qui était en lui. Lui qui viendra à vous. Et il ajouta, quand le Saint-Esprit sera venu sur vous, il vous révélera ces choses que je vous ai enseignées et il vous annoncera les choses à venir. Vous y êtes maintenant? Donc, je voulais relever le cas ici. De quoi? De
des trois poules. Branham a eu trois poules, comme Moïse, comme Noé, comme Elohim, comme Jésus, comme les prophètes. Alors, maintenant, nous allons voir quelque chose. Nous allons lire, Frère Branham dit, les signes du Messie, c'était la volonté permissive de Dieu. C'était un appât pour attirer les gens vers la volonté parfaite de Dieu, qui était sa commission. Amène les gens à te croire. Amène les gens à croire que je t'ai envoyé. Amène les gens à croire le message pour avoir le Saint-Esprit et être adopté, aller dans l'enlèvement. Écoutez, Frère Branham. Alors, on ne peut pas prendre quelque chose qui est une volonté permissive. On commence à dire, oh, Frère Branham a tourné le dos. Oh, il est Elohim aussi a tourné le dos. Oh. Mais c'est quoi? C'est un signe. Il a discerné. Jésus a discerné chez les Samaritains. Elohim a discerné chez Abraham. Mais c'est un signe. Mais lui-même dit que mais ce n'est pas la volonté parfaite. Comment une chose qui est une volonté permissive, vous faites toute une doctrine autour de ça? Vous tuez les gens? Hein? Non, l'épouse parlera un même langage. Je suis dans mon bureau. Je parle ça pour que les enfants de Dieu changent. On nous a beaucoup trompés. Les signes du Messie, les signes du Messie, les signes du Messie. Mais c'est quoi? C'est un appât. Dieu voulait seulement montrer qu'il y a eu trois races. Il y a eu la race de Cam, de Japheth et aussi de Sem. Il a manifesté la race de Sem, de Japheth. Il devait manifester Sam, des races de Cam. Il devait aussi manifester. Il a manifesté chez les Juifs, plutôt, chez les Samaritains, et il devait manifester chez les gentils. Et Branham dit, pourquoi ce que Branham a fait aujourd'hui, on se réfère à Genèse 18, quand Elohim est allé chez Abraham. Branham va, je vais lire, il dit que parce que Abraham était un gentil. Abraham n'était pas un juif, Abraham n'était pas un samaritain, il était un gentil comme moi et vous. C'est pourquoi ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un prophète qui a discerné chez les gentils. Comme Elohim avait discerné chez les gentils, Abraham était un gentil, il n'était pas un juif, il n'était pas un samaritain. C'est pourquoi on se réfère à ce que Dieu a fait chez Abraham, parce qu'Abraham était gentil. Je vais lire ça, Branham. Donc je dois vous éclairer sur ce point pour qu'il n'y ait pas de confusion. Nous attendons l'enlèvement, nous attendons Jésus qu'il vienne. Les événements même sont en démontrer. D'ici peu, Jésus viendra nous prendre. Alors, évitez les doctrines qui enlèvent l'espoir. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. La Bible dit il y a trois choses. La foi, l'espérance et l'amour. Mais Branham dit que quand quelqu'un enlève l'espérance, il vous a tué. Quand quelqu'un enlève, il vous dit que Jésus est déjà venu physiquement, il n'attendait plus rien. Mais il tue l'espérance, il enlève l'espérance. Vous restez avec deux choses, la foi et l'amour. Alors, Dieu est parfait en toi. Lisez ça dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Ok. Je vais lire ici, Frère Branham dit que le discernement là, même quand il tournait le dos, il discernait là tout ça. C'était la volonté permissive. Ce n'est pas la volonté parfaite. C'est un signe, un appât pour seulement amener les gens à croire la parole, à croire que Dieu l'a envoyé. Parce que là où il y a Dieu, il y a le surnaturel. Lisons Frère Branham. Frère Branham dit ceci dans la brochure. Dans la brochure, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Prêché le 11 septembre 1960. Je lis ici chez Kina Publication. Je commence avec paragraphe 143. Je vais aller jusqu'au paragraphe 223, mais je vais sauter. Frère Branham dit paragraphe 143. Et beaucoup d'entre vous qui êtes présents ici ce matin, vous vivez toujours ici aujourd'hui. Quand il est apparu là-bas, sur le fleuve, sous cette forme de la colonne de feu, il s'est tenu là et a parlé en disant, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour être un précurseur de la première venue de Christ, ainsi ton message, pas Frère Branham, hein, parce que lui est déjà mort, il attend la résurrection. C'est nous, par les troisièmes poules, qui vont résister, Frère Branham et l'épaule. Maintenant, il dit quoi? Il dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour être un précurseur de la première venue de Christ, ainsi ton message précédera la seconde venue. Paragraphe 148.
Et je vous demande ceci devant Dieu et les anges élus et Jésus-Christ. La commission a été prise pour les malades. La réaction a été, je suis incapable de le faire. 149. Tu es né dans ce billet. L'ange est venu voir Frère Branham en 1946. Il commence à parler à Frère Branham. Tu es né dans un billet. C'est cela la signification de ta naissance et de ta vie particulière. C'est que tu dois prier pour les malades. Si tu les amènes à te croire et si tu es sincère en priant, rien ne tiendra devant ta prière. Pas même le cancer. Combien ont lu cela au fil des années? C'est connu dans le monde entier. Frère Branham a commencé le discernement en 1950. Maintenant, ceux qui disent que Jésus est venu, le discernement prophétique, c'est la seconde venue physique de Jésus-Christ. Donc, Jésus est venu en 50, parce que le discernement a commencé en 1950. Branham continue. Paragraphe 151. Il a dit, comme Moïse a reçu des signes pour confirmer sa commission, ainsi, pas te seront, des signes te sont donnés. L'un de deux sera ta main. L'autre sera que tu connaîtras les secrets même de leur cœur, le pensée de leurs esprits. Voyez les deux signes que Dieu a donné à William Branham, comme il avait donné à Moïse. Et par ceci, ils croiront. Par ces deux signes. Maintenant, rappelez-vous. Écoutez, ne manquez pas de saisir ceci. Le signe n'est pas la commission. Le signe indique seulement la commission. Le signe n'est pas la commission. Ça indique, par le mystère de Dieu, ça indique qu'il y a quelque chose que vous devrez croire. 152. Vous sortez ici, sur la route, et vous voyez un panneau de signalisation qui dit Jeffersonville, 8 km. Cela n'est pas Jeffersonville. Non, le signe, ce n'est pas la commission. C'est un signe pour vous montrer que vous êtes sur la bonne route. Qu'en serait-il? 154. Et ce pauvre monde malade, infirme, attend une délivrance et il regarde à un panneau de signalisation. Faut en dire que pourquoi vous regardez seulement au panneau de signalisation. Pourquoi vous vous intéressez seulement au signe, au discernement? Frère Branham a discerné comme Jésus, comme Elohim. Dites, pourquoi vous vous intéressez seulement à ça? Il continue. Miséricorde. Le panneau de signalisation n'est rien d'autre qu'un signe pour prouver la commission. Voilà le nouveau ministère. Cela vient juste de m'être révélé. Prie pour les malades. Amène les gens à te croire. Dieu ne peut jamais délaisser cela. C'est sa commission. Peu importe ce qui se passe, combien j'ai failli misérablement. Je n'aurais jamais dû aller de l'avant avec ces signes. Branham dit que mon ministère n'allait pas, je n'allais pas atteindre la troisième étape avec le discernement. Non, non, non. Cela n'était pas la volonté de Dieu. Donc, le discernement prophétique, les signes du Messie, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Écoutez. Mais Dieu a béni cela de toute façon. Oui, nous savons ça. Mais je suis prêt à quitter cette montagne, à quitter le discernement. Je vais traverser le Jourdain. Je vais exécuter la commission. Amène les gens à te croire. Je dis, il ne me croira pas. Nous continuons. Paragraphe 155. Paragraphe, non, il continue là-bas. J'ai dit, ils ne me croiront pas. Dieu, des signes, ils seront ajoutés. 155. Maintenant, le problème en cela est que nous avons regardé aux signes. Branham dit que vous regardez beaucoup aux signes. Elohim a discerné. Branham a discerné. Jésus a discerné. Branham dit, vous regardez beaucoup à cela. Pourquoi? Maintenant, le problème en cela est que vous avez regardé aux signes. Oh, frère Branham, vous voyez, vous avez posé votre main sur lui. Vous devrez voir ce que ça arrive. Vous devrez discerner.
Tenez-vous devant lui. Lorsque l'onction est sur lui, elle vous dira tout ce qui est dans votre cœur. C'est vrai. 160. Cela ne la guérit pas. Cela indique seulement la commission. Arrêtez de vous appuyer sur les panneaux de signalisation. Allons jusqu'à la ville. Éloignons-nous de cette montagne. Allons jusqu'à la ville. Traversons les Jourdains. Les Jourdains doivent prier pour vous. Donc, mon sujet, c'est les signes du Messie que vous parlez là. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, c'est la volonté permissive. Et Dieu a condamné Branham pour cela. Branham même a dit, je ne le ferai plus, à moins que Dieu me montre. Et il nous a demandé pardon dans le monde entier de lui pardonner pour avoir beaucoup exercé le discernement. Écoutons Branham. 183. Et avant que Dieu ait donné le signe, il a donné la commission. Avant qu'il puisse y avoir un signe indiquant une commission, avant qu'il y ait une signalisation pour indiquer une ville, il doit d'abord y avoir une ville qui puisse être indiquée. Si vous l'avez écrit de tout votre cœur, vous le recevez. La prière de la foi sauvera les malades et Dieu les relèvera. 184. Maintenant, je me suis moi-même beaucoup appuyé sur les panneaux de signalisation. Alors, me dit que je me suis beaucoup appuyé au discernement, aux signes, aux prophéties. Seigneur, montre-moi donc ceci avant que je prie pour eux, car je ne sais pas ce que je pourrais faire. Combien cela a été cruel. Abraham dit que c'était même cruel. Je demanderai à l'assemblée de me pardonner. Frère Abraham demande son assemblée, son église pardon pour avoir exercé chaque fois le discernement. Aux assemblées du monde entier, donc Branham nous demande nous tous pardon, qui écouteront aussi cette bande, pardonnez-moi, j'avais tort. Branham nous demande pardon, il avait tort parce qu'il exerçait le discernement et tout. Il faisait que ça, discernement, signe du Messie, dit qu'il avait tort. Ce n'était pas ça la commission. Est-ce que vous avez pardonné Frère Branham? Moi, j'ai pardonné Frère Branham. Frère Branham, moi, frère, mon église, nous t'avons pardonné. Frère, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, toi qui s'appuyais sur le discernement, signe du Messie, est-ce que tu pardonnes Frère Branham? Est-ce que tu pardonnes Frère Branham? Alléluia. Je m'excuse, j'utilise mon téléphone, je vois les gens en train de m'appeler. C'est pourquoi je suis allé couper, pardonnez-moi. C'est seulement, on ne m'appelait pas, on commence à appeler maintenant. 184. Maintenant, je me suis moi-même beaucoup appuyé sur les panneaux de signalisation. Seigneur, montre-moi donc ceci avant que je prie pour eux, car je ne sais pas ce que je pourrais faire. Combien cela a été cruel. Je demanderai à l'assemblée de me pardonner, aux assemblées du monde entier qui écouteront aussi cette bande, pardonnez-moi, j'avais tort. Je n'aurais jamais dû exécuter la commission comme cela. Cela n'était pas sa commission pour commencer. C'était un signe indiquant la commission. J'aurais dû prier pour les malades partout. Paragraphe 200. Et je suis prêt à aller au Jourdain ce matin. Je suis prêt à faire face à ma commission. J'ai aimé les gens. Je me suis plié à leurs désirs. Il m'a visité, vision après vision, que je n'ai pas le temps de raconter et vous le savez. C'est écrit ici même au dos de ce livre. Il est dit, tu t'es trop plié au désir des gens pour marcher avec moi. Tu marcheras seul. Tu mets trop l'accent sur ces signes. Dieu l'a reproché même. Et il y a eu même les gens, quand Branham priait, quand ils ne discernent pas, ils disent, je ne crois pas, parce qu'il n'a pas fait le discernement. Dieu a reproché Branham, il a dit, tu vois, il n'y a plus la foi de croire les messages. La parole que tu prêches,
Il croit seulement le discernement. Dieu a reproché Branham. Il continue. Dessin 1. Je n'ai pas su ce que l'on était du reste, mais l'heure est venue. L'heure est venue où j'ai vu sa main descendre vers Josué disant, j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Je le crois ce matin. Dorénavant, à partir de ce jour, je sers Dieu dans ma commission. S'il veut me montrer des signes ou s'il veut me montrer des visions, il peut me les montrer. Hein? La souveraineté de Dieu, plus question encore de forcer ça. S'il ne le veut pas, plus jamais je ne me tiendrai devant les gens, essayant de les laisser leur foi tirer quelque chose hors de moi. Plus jamais. Je prierai pour les malades et les remettre entre les mains de Dieu et les laisserai partir s'ils croient la commission. Dieu est tout aussi fidèle. Il m'a conduit jusqu'ici, juste comme il a conduit Moïse, juste comme il a conduit Josué. Il en a donc été de même. Paragraphe 214. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Combien savent cela? L'Assemblée dit Amen. Quoique beaucoup, peu importe combien d'hommes de bien prient pour vous, combien de bons prédicateurs vous prêchent, vous devez avoir votre propre foi personnelle pour le salut. Et c'est juste, Amen, c'est votre propre foi. Peu importe combien de bonnes prédications vous entendez, à combien de bonnes églises vous appartenez, c'est votre foi personnelle qui vous sauve. Peu importe combien vous criez fort, combien vous suppliez, combien vous hurlez, combien vous dansez dans l'esprit, vous êtes sauvés uniquement par votre foi. Est-ce que cela est juste? Amen. C'est de cette seule façon que vous êtes guéri. 216. Pour montrer que le discernement n'était pas exactement la volonté parfaite de Dieu de faire ainsi, le signe m'a toujours affaibli. Branham lui-même. Combien savent cela? L'Assemblée dit Amen. Demandez à ma femme là-bas, au fond. Elle pourra vous en dire long. Elle est plus concernée par cela que n'importe qui. Elle doit me supporter. On sait à peine où on se trouve. On va et vient. Et ceci et cela. On ne sait pas. On marche, on descend un peu la route, puis on s'arrête. Paragraphe 222. Maintenant, c'est sur bande. Écoutez ce que Frère Branham dit. Maintenant, c'est sur bande. Et ça se trouve ici. À partir de maintenant, plus de discernement jusqu'à ce que Dieu me donne. Me dise de faire une certaine chose. Amen. Ô Seigneur Jésus-Christ. Il dit, va dire à cette personne d'une certaine chose. Alors, j'irai lui le dire. S'il dit, fais une certaine chose, j'irai. 223. Mais quand à me tenir là et dire, maintenant, regardez-moi et croyez de tout votre cœur, oui, c'est un tel. Commence à discerner. Vous êtes Jean Dupont. Vous êtes de tels endroits. Vous avez eu le cancer depuis tant de temps. Les médecins ont-ils vous a dit que vous n'allez plus guérir. Vous êtes allé et vous avez fait une certaine chose. Vous devez maintenant restituer cela et mettre ceci en ordre. Et prendre ceci avant d'être guéri. Très bien. Faire du pont. Allez-y maintenant. Croyez-le. Maintenant, vous êtes sœur une telle. Et vous venez de tel endroit. Vous venez de tel endroit. Et ensuite, j'entre dans un tourbillon, sachant difficilement que faire. Et la première chose qui arrive, il y a quelqu'un d'autre ici. Je regarde pour voir qui j'ai en face de moi. Ensuite, je sors de la réunion. Où est-ce que je suis? Plein de souvenirs de cela. Branham dit, plus question de ça encore.
Les trois poules de frère Branham, de 1946 jusqu'à 1950, c'était les premières poules. Il tenait la main et il voyait le signe. De 1950 jusqu'à 1958, c'était les deuxièmes poules, le discernement prophétique, les signes du Messie. De 1958 à 65, c'était maintenant la parole. Il prêche, tu crois, tu as la chose. C'est pourquoi nous avons le message aujourd'hui. Nous croyons sans voir frère Branham. Il a commencé à prêcher la semence du serpent en 58. C'était déjà les mystères qui commençaient à être révélés. Donc, vous comprenez que le discernement que beaucoup de gens s'appuient pour faire leur doctrine, signe du Messie, signe du Messie, signe du Messie, c'est une volonté permissive. Ça nous amène seulement à la commission, à la parole, au message. Ça, c'est le livre que j'ai écrit, le signe du Messie et la révélation du Fils de l'homme. Ce n'est pas moi, c'est les citations. Ça, c'est la révélation, c'est tonnerre. L'autre, c'est l'apparition et la venue de Christ. L'autre, c'est soigner les semaines de Daniel. Donc, nous continuons. Vous avez compris que le signe du Messie, ce n'est pas la seconde venue, ce n'est pas la plénitude de Jésus en Branham, ce n'est pas, Branham n'est pas Elohim parce qu'il a fait cela. Cela ne fait pas Branham plus que, comme Jésus, cela ne fait pas Branham Dieu créateur, cela ne fait pas Branham, Branham reste prophète parce que le prophète c'est un discerneur des pensées. Un prophète discerne les pensées. Jésus était Dieu qui est devenu un prophète, selon Deutéronome 18. Il devrait discerner parce qu'il était prophète. Branham était prophète de Dieu, donc prophète de Jésus. En tant que prophète, il discerne les pensées. C'est la nature des prophètes. Où est le problème? La différence entre les prophètes majeurs et nous est que quand Jésus discernait, ou bien quand Branham discerne, on ne peut pas juger, on croit. Quand Branham prêche la parole, on ne juge pas, on croit. Mais quand moi, Ephésiens 4, ou bien toi, tu prêches, on doit juger. Nous avons les maisons de dons dans notre église. Il y a les vases, hein, les gens qui ont les dons de prophétie, de discernement dans notre église. Mais on juge leur prophétie. Mais quand Branham discerne, on juge. C'est ça la différence entre le discernement de frère Branham, messianique là, des prophètes majeurs, et ce qui se fait dans nos églises. C'est ça la différence entre frère Branham, comme prédicateur, comme prophète, et nous les Ephésiens 4. Parce que nous, tout ce qu'on fait, on juge. Mais lui, on ne juge pas, on croit. On continue. Je voulais seulement éclaircir là. Frère Branham dit ici que... Nous continuons. Frère Branham dit... Il dit que... Le signe du Messie... D'abord, c'est quoi? C'est le discernement. Lisons ça. C'est le discernement. Signe du Messie, signe du Messie. On doit savoir signe du Messie d'abord c'est quoi. Dans la brochure, les signes du Messie, prêché le 29 mars 59 soir, paragraphe 13, frère Branham dit, je ne suis pas un guérisseur. Je ne crois pas qu'il y ait un homme qui soit un guérisseur. C'est Jésus-Christ qui est le guérisseur. Et il avait dit, quand il était ici sur terre, que Dieu était le guérisseur. Eh bien, quand il était ici sur terre, il ne prétendait pas être un guérisseur. Mais, il avait montré aux gens son signe de Messie. Et ce signe de Messie consistait à connaître les secrets des cœurs des gens. Combien savent que c'est vrai? C'est ça le signe du Messie. Et pourquoi frère Branham a fait le signe du Messie? C'était pour attirer les élus, pour avoir les élus. C'est ça le but. Pour montrer même que ce qui s'était passé du temps d'Abraham, qui était un gentil comme nous, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et pour attirer les élus, comme on avait attiré les élus du temps d'Abraham. Abraham et son église, lisons ça. Frère Branham dit ça dans la brochure. Messieurs, nous voudrons voir Jésus. Prêchez les 4, 8, 57 soirs. Paragraphe 38. Écoutez. Remarquez donc, il a accompli ce signe devant les Juifs pour donner une évidence
aux Juifs pour avoir les élus. Amen. Et aussi, pourquoi il a manifesté ces signes-là? Pourquoi aujourd'hui? Pour ne pas faire d'acception de personne. C'est pourquoi il devrait réellement manifester les signes du Messie pour ne pas faire l'acception des personnes. Fouanam dit ça dans la brochure. Messie, nous voudrons voir Jésus. Oh. Ce que je viens de lire ici pour attirer les élus, ce n'est pas. C'est dans la brochure. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Prêcher le 15 mai 58. C'est là où il dit, paragraphe 38. Sorry. Pardon. Remarquez. Il a accompli ces signes devant les Juifs pour donner une évidence aux Juifs, pour avoir les élus. Maintenant, dans la brochure, Messie, nous voudrons voir Jésus. Prêcher les 4, 8, 57 soir. Paragraphe 31. Frère Branham dit ceci. Si c'était le signe du Messie, en ce moment-là, et qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, ça doit être le signe du Messie ce soir. C'est ce que les Juifs pensaient. C'est ce que les Samaritains pensaient. Qu'en pensez-vous, vous les gentils? Vous êtes des Occidentaux, c'est aujourd'hui votre jour. Là, c'était leur jour, c'était aujourd'hui votre jour. Christ est tenu d'être le même vis-à-vis de vous qu'il était vis-à-vis d'eux. Sinon, il ferait acception des gens. Il est tenu de le faire cela. Amen. Dans la brochure, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, chez les 15 mai 58. Faux Banham dit, au paragraphe 38, il continue. Et puis, quand il s'est fait connaître aux Samaritains, il a fait la même chose. Mais jamais au moment, il a fait cela devant un gentil. Et il a interdit que ça se fasse. Pourquoi? 2000 ans se sont maintenant écoulés pour les gentils, afin qu'ils soient formés et instruits. Mais à la fin de la dispensation des Juifs, avant qu'ils n'aient connu le chaos, s'ils étaient manifestés ainsi devant les Juifs pour prouver qu'il était le Messie et qu'il avait agi ainsi pour le prouver, il doit agir de même à la fin des nations. Sinon, il n'est pas le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Comprenez-vous? Levez la main si vous comprenez. Vous comprenez cela? Il ne peut pas agir devant les Juifs, se manifester comme cela, les Juifs. Il n'y a que trois races de gens, les Juifs, les Samaritains et les Gentils, les descendants de Cam, de Sem et de Japhet, les trois fils de Noé. C'est tout ce qu'il y a. Donc, il s'est déjà manifesté aux descendants de Cam et de Japhet, ou plutôt de Sem. Il est resté des Gentils pour cet âge ici. Et juste pour terminer cela, alors que les Spoutnik des Russes, hein, les armes des Russes, sont dans les cieux, que l'écriture est sur la muraille et que les nations tremblent, là ici parmi nous, il faisait photographier. C'est parmi les raisons pour lesquelles il doit le faire aujourd'hui. Chaque âge a un Messie. Moïse était Messie dans son temps. Jérémie était Messie. Joseph, David. Ils étaient des messies dans leur temps, dans leur génération. Branham, il est le messie de la Odyssée. Où est le problème? Mais il n'est pas le messie, ouais. Jésus, il est le messie. Comme Moïse était le messie, il était Christ dans son âge, comme Jérémie. Pardon, je ne coupe pas encore ici. Pardonnez-moi, j'utilise le téléphone, c'est pourquoi les gens qui appellent sont en train de déranger. Je ne sais pas s'ils coupent l'émission, mais que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Donc, nous allons encore, pourquoi il devrait manifester les signes du Messie aujourd'hui? C'est pour montrer que Christ est ressuscité des morts, d'entre les morts. C'est le signe qui montrait que Christ est resté d'entre les morts. Pour montrer que Christ est vivant. Dans la brochure, c'est la vie qui guérit. Prêchez le 11 juin 57. Paragraphe 83. Si autrefois c'était cela le signe messianique,
Ce soir, ça sera cela, le signe messianique de la résurrection de Jésus-Christ. Dans la brochure, la persévérance prêchée le 18 février 62, paragraphe 286. Fouanam dit, eh bien, si c'était là le signe du Messie pour les Juifs, pour les Samaritains, ne serait-ce pas le signe du Messie pour les gens des nations, ne serait-ce pas le Messie de Jadis, s'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il vit dans son Église, se manifestant au travers d'elle, de son Église. Ne ferait-il pas les mêmes œuvres comme il a promis de les faire? Donc, ça c'est, comme j'ai dit, c'est une mise au point. Ce que je fais, c'est une mise au point. Nous continuons maintenant. Maintenant, nous allons parler la foi parfaite de Dieu, c'est quoi? La foi parfaite à la parole révélée. La foi parfaite, la commission de Dieu, c'était la volonté parfaite de Dieu, c'était la commission, la parole, amène les gens à croire pour avoir la foi parfaite, être justifié, sanctifié et baptisé Saint-Esprit, puis adopté. Parce que nous, on ne s'arrête pas seulement au baptême Saint-Esprit, nous allons jusqu'à l'adoption. Frère Branham dit ceci, nous pouvons lire ça, nous pouvons lire dans la Bible. Nous pouvons lire dans la Bible. Jean chapitre 20, verset 29. Jean 20, 29. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, erré, c'est qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà ce que Dieu cherche aujourd'hui. Croire sans voir même le discernement là que Frère Branham faisait. Frère Branham n'est plus là, mais on croit la parole. La commission, c'est amener les gens à te croire. Croire la parole. Nous avons aujourd'hui la parole. Croire au message, car c'est la parole. C'est la parole de Dieu révélé qui amène les gens à la justification, à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit et même à l'adoption. Vous voyez la commission. Nous pouvons lire ça dans la Bible. Voilà ce qui, pourquoi Dieu lui disait d'amener les gens à la commission. Lisons dans la Bible. Moi, j'utilise et la Bible et les messages. Parce que la Bible, les messages de Frère Branham viennent dans la Bible. Actes chapitre 2, verset 38. Lisons dans la Bible. Le plan de la rédemption, les trois étapes de la rédemption. C'est ça la commission pour nous amener, nous qui croyons aujourd'hui sans voir Frère Branham, sans voir le discernement physiquement, aux trois étapes de la rédemption. Actes chapitre 2, verset 38. Nous lisons dans la Bible. Acte 2, 38, la Bible dit ceci. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça, c'est la première étape pour devenir un chrétien. La justification. La justification est liée quoi? À la repentance. Donc, la Bible nous dit, repentez-vous. La repentance a trois étapes. Tu dois regretter les péchés que tu as fait, tu dois les confesser et tu dois restituer ce que tu avais fait là. C'est ça la repentance, trois étapes. Maintenant, on te baptise. Beaucoup de gens n'ont pas le Saint-Esprit parce qu'ils ne s'étaient pas bien repentis avant le baptême. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est la sanctification. Lisons ça dans la Bible. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. La Bible nous dit ceci.
Hébreux, les trois étapes de la grâce hein, pour devenir, pour être vraiment adopté. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu n'es pas sanctifié, tu n'auras jamais le Saint-Esprit. Tu ne verras pas le Seigneur. Et troisième maintenant étape de la rédemption interne de l'homme, c'est le baptême du Saint-Esprit. Lisons ça, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. 1 Corinthiens 12, 13. Ça, c'est la troisième étape de la rédemption intérieure. 1 Corinthiens 12, 13. La Bible nous dit, car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour être un seul corps, avons été baptisés. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand tu as maintenant le baptême du Saint-Esprit, Dieu t'amène maintenant à l'adoption. Tu deviens maintenant un héritier. Ce que tu dis, c'est ce que Dieu dit. C'est ça, un fils adopté. Le message, c'est l'adoption. Nous a amenés pour l'adoption. Le pentecôtisme, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais le message, c'est l'adoption. Donc, nous devenons des petits dieux sur la terre. Ce que nous disons, c'est Dieu qui a dit. Nous devenons les héritiers. C'est ça l'adoption. C'est ça le but même de la commission des frères, du message des frères Branham. Lisons Romains chapitre 8. Romains, c'est ça même le but même du message. Pour nous amener à l'adoption. Mais pour arriver là, il faut passer les trois étapes. La justification, la sanctification, le baptême Saint-Esprit. Maintenant, Dieu commence à monter avec dans la pyramide, les vertus chrétiennes. Maintenant, tu auras maintenant la foi parfaite, la vertu de Christ, la connaissance de Christ, la tempérance de Christ, la piété de Christ, la patience de Christ et la piété de Christ. Maintenant, c'est ça l'adoption véritable. Tu entres dans la pyramide maintenant. Et Dieu viendra te coiffer avec l'amour divin. Lisons l'adoption, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, je ne dois pas tout lire, hein. À partir de verset 9 jusqu'à 23. Lisons d'abord. 9 jusqu'à 23. Mais je ne dois pas tout lire. Hein. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, bon, il continue, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous prions Abba Père. 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire les fils adoptés. Car, bon, vous pouvez continuer là-bas. Donc, le but du message de Frère Branham, c'est nous amener à croire, à arriver à l'adoption. Nous devenons des petits dieux, comme c'est écrit en Psaume 82, verset 6. Nous sommes des dieux, mais nous mourons comme des hommes. C'est ça le but du message de Frère Branham. Mais vous regardez seulement les signes du Messie. Mais pourquoi vous ne devenez pas les dieux? Parce que le but du message Frère Branham, c'est pour nous amener à l'adoption. Justifier, sanctifier, bâtir Saint-Esprit, et puis l'adoption. Et vous devenez des dieux. Vous devenez ce que Galates 2, lisons ça. Galates chapitre 2, verset 20. C'est ça le but même du message de Frère Branham. Que les gens voient les dieux sur la terre, où sont-ils? Branham dit, même le musulman, les religieux cherchent où sont les fils de Dieu qui sont adoptés pour manifester Christ.
Lisons ça. Le but du message de Branham, c'est pour l'adoption. Galates 2:20, la Bible nous dit ceci. C'est ça le but du message de Frère Branham. Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà le but du message, le Fils de Dieu adopté, vous devenez des dieux. Même Colossiens nous parle de ça. Colossiens chapitre 1, versets 25 à 28. C'est ça le but du message de la commission de Frère Branham. Colossiens chapitre 1, versets 25 à 28. Écoutez ce que la Bible nous dit. C'est d'elle que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, dévoilée maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Éphésiens chapitre 4. Frère Branham a donné le message de la perfection. Dans la brochure, les messagers du soir, Frère Branham dit, Dieu envoie un homme. Après, d'autres personnes prennent ces messages-là, continuent avec les messages-là. C'est les Éphésiens 4, le travail que nous avons aujourd'hui. Lisons un peu ça. Je pense que le but des Éphésiens 4, c'est amener les Éphésiens chapitre 4. Voilà le but pour lequel nous, quand nous avons le message, ce qu'on doit faire. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance des fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et Paul lui-même a dit, quand la perfection viendra, ce qui est partiel va disparaître. Mais nous avons la perfection. Mais comment on s'embrouille sur les signes du Messie? Écoutez, 1 Corinthiens chapitre 13, versets 9 et 10. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 9 et 10. De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas 13, 9 et 10, car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Le problème dans le message, beaucoup de gens ont cru le message de Frère Branham et commencent à prêcher et ne connaissent pas la Bible. Moi, avant de croire le message, j'avais lu la Bible plus de 3 fois. Donc, je connais toute la Bible. Pardonnez-moi. Je suis professeur ici à Johannesburg depuis 14 ans, à part être prédicateur. J'aime amener des choses d'une manière intellectuelle aussi et spirituelle. À part être prédicateur, vous savez, je suis professeur. C'est pourquoi des fois, j'amène la méthodologie un peu intellectuelle pour faire comprendre, même les petits-enfants comprendre ce que j'ai dit. Donc, lisez la Bible. Branham a puisé tout ce qu'il a dit dans la Bible. Pour appuyer ce que je viens de lire dans la Bible et d'autres, lisons Frère Branham. Frère Branham dit ceci. Il dit que nous parlons de 3 dispensations. Il parle de dispensations. Écoutez ce qu'il dit. 117. Page 117. Frère Branham dit, écoutez, ok, page 117, il y a 3 dispensations, il y a 3 dispensations.
Il y a trois dispensations. Frère Branham dit ceci dans la brochure. Écoutez, Frère Branham dit. Sorry, j'ai beaucoup de brochures ici. Frère Branham dit ceci. Il y a trois dispensations. Il dit ceci dans la brochure. L'adoption. Prêchez le 22 mai 60, paragraphe 213. Donc, Dieu a eu trois fonctions. L'une d'elles était appelée la paternité ou la dispensation du Père. L'autre était appelée la filiation. Et l'autre est appelée le Saint-Esprit. Or, aujourd'hui, dans quelle dispensation œuvre le Père aujourd'hui? L'Assemblée dit le Saint-Esprit. Qu'est-il dans le passé? Jésus. Qu'est-ce qu'il a été avant ça? Le Père. Mais il s'agissait d'un seul Dieu. Pas vrai? Il est le Père, Fils, Saint-Esprit. Ces trois-là, ces trois fonctions d'un seul Dieu. Un seul Dieu. Il continue dans la brochure adoption. Prêchez le 25, 60 matin, paragraphe 67. Vous n'êtes même pas encore converti avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Donc quand quelqu'un n'a pas atteint la troisième étape du Saint-Esprit, il n'est pas encore chrétien. Il n'est pas encore converti. Parce que même Pierre, il a prêché la parole sans le Saint-Esprit. Donc, il n'était pas converti. Vous n'êtes même pas encore converti avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. C'est ce que déclarent les Écritures. Jésus l'a dit à Pierre, demandez à n'importe qui lisait les Écritures. Il avait été justifié en croyant au Seigneur Jésus. Il était devenu un disciple, un apôtre. Jésus lui a donné les clés du royaume. Et dans Jean 17, 17, il les a sanctifiés. Il leur avait donné le pouvoir. Il les avait envoyés chasser les démons. Il les a sanctifiés. Sanctifie-les, Père, par ta vérité. Ta parole est la vérité. Je me sanctifie moi-même à cause d'eux. Vous voyez? Dans la brochure, même ici dans la brochure, Apocalypse chapitre 5, verset 1, prêché le 11 juin 61, paragraphe 102. Maintenant, remarquez alors que nous continuons bien. Nous savons que nous sommes prédestinés avec l'agneau. Le Saint-Esprit est notre sceau. Le gage signifie qu'une plus grande part viendra plus tard. Nous n'en avons que le gage maintenant. Le gage n'est que la compte. Comme c'est merveilleux. Ce n'est pas que la compte qui assure cela, garantit cela, l'ancre de telle sorte que personne d'autre ne peut le toucher. C'est le gage de notre adoption. Amen. Le Saint-Esprit est maintenant le gage de Dieu dans nos cœurs. Un sceau, l'adoption des fils qui nous attend au bout du chemin, des fils et des filles de Dieu. Allons rapidement à une autre écriture que j'ai notée ici, sur une autre page, Romains 8, 22. Après le Saint-Esprit, il y a maintenant adoption. Je crois que c'est beau maintenant. Hier, étudiant, je crois bien avoir noté quelques écritures ici. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire, souffre les douleurs de l'enfantement. Et non seulement elle, mais nous-mêmes aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes, attendant l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Ce sont les trois étapes de la grâce. Frère Branham dit encore ici, il dit ceci. Frère Branham dit ceci, il dit dans la brochure, le Fils de Dieu manifesté. Prêchez le 18 mai 60. Paragraphe 112. Nous ayant prédestinés, qu'est-ce que le mot « a » veut dire? Le mot « a », ça signifie qu'il y a quelque chose à quoi nous arrivons. Ah, je vais à la fontaine. Je vais à la chaise. Frère, vous saisissez ça? Je vais à la chair. Oh, nous a prédestinés à quelque chose. Mais vous, vous ne voulez pas ça.
à son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon son propre bon plaisir de sa volonté. Stature d'un homme parfait, prêché le 14 octobre 62, paragraphe 50. Il ne vous a jamais fait pour être autre chose qu'un fils ou une fille de Dieu. Si vous avez manqué cela, c'est-à-dire d'être fils et fille de Dieu, adopté, vous avez manqué le but. Et manquer le but, c'est ça la signification, c'est péché. Le mot péché signifie manquer le but, manquer le but. Si tu n'arrives pas à l'adoption aujourd'hui, tu as péché. C'est ce que Branham dit. Dans la brochure, la parole parlée est la semence originale. Prêché le 18 mars 62, paragraphe 168. Alors, nous remarquons, voyez-vous, la parole parlée, alors, nous sommes la parole de Dieu manifestée. C'est ce que Dieu veut de son Église. Et il veut se manifester. Comment peut-il se manifester sans que sa semence à lui soit dans la personne? Adoption, prêché le 22 mai 60. Paragraphe 62. Vous n'êtes même pas encore converti. Ok. Paragraphe 151. Maintenant, après que vous avez été adopté, d'accord, après que vous avez été adopté, que vous avez été placé, alors vous comprenez, après que la cérémonie a été prononcée et que vous avez été placé correctement dans le corps, vous êtes un fils, bien sûr, une fille. Quand vous êtes né de nouveau, vous l'êtes ça, c'est votre naissance. Mais maintenant, vous êtes placé dans votre position. Le baptême du Saint-Esprit, vous êtes né dans la pyramide. Vous êtes né dans le corps mystique de Christ. Alors, c'est là où Dieu vous montre avec les vertus de Christ pour atteindre le sommet de la pyramide, c'est-à-dire la piété de Christ, l'adoption. Vous devenez un Dieu sur la terre. Et la tête de la pyramide vient vous coiffer, l'amour divin. Dans la brochure, le Fils de Dieu manifesté. Cela prend la part de Kénos. Elohim, c'était Dieu en Jésus, dans un homme. Aujourd'hui, c'est Kénos. Joël 2, 20, 28. Dieu s'est déversé dans l'Église. On appelle ça en grec Kénos. Dieu devenant des hommes et des femmes et des filles. Le Fils de Dieu manifesté. Prêché le 18 mai 60. Paragraphe 51. Que pensez-vous que celui qui a écrit ce livre, qui a vu cela, a vu que ce serait manifesté dans les derniers jours? C'est ça le but du message. Il attendait et soupirait de voir ce Fils de Dieu s'élever dans les derniers jours avec la puissance du Saint-Esprit à la fin de l'âge pour révéler les choses qui avaient été tenues secrètes depuis la fondation du monde pour les montrer. 112. Nous ayant prédestinés, nous, 113, combien de plaisirs, de quel était ce plaisir, de qui était ce bonté, les sillons propres, la plaisir de sa parole, sa volonté. 114. Maintenant, qu'est-ce qu'est l'adoption? Eh bien, laissez-moi prendre ceci maintenant. Je ne sais pas. Je n'aurai pas le temps de terminer ça en entier. Mais je vais toucher les points essentiels. Alors, il y a une question. Vous pourrez me les poser un peu plus tard, au cours d'un message, quelque chose. Votre adoption, ce n'est pas votre naissance. L'adoption, ce n'est pas le baptême Saint-Esprit. Votre adoption, c'est votre placement. Quand vous êtes né de nouveau, Jean 1, 17, je crois qu'en nous naissons de l'Esprit de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Mais nous avons été prédestinés. Et voici ce qu'à quoi essaie de vous amener concernant ce fils et de ces derniers jours. Vous voyez? Nous avons été prédestinés à arriver à l'adoption. Amen. 115. Bon, maintenant, nous y sommes. Or, voici ce qu'ils font un peu les pentecôtistes. Ils disent, je suis né de nouveau. Gloire au Seigneur, j'ai reçu le Saint-Esprit. Très bien. Vous êtes un enfant de Dieu, c'est vrai. Néanmoins, ce n'est pas de ça que je parle. Vous voyez, vous avez été prédestinés à l'adoption. L'adoption, c'est le fait de placer un fils qui devient un héritier. Dans la brochure, l'adoption prêchée, le 25 mai 60 soir, paragraphe 44. Toujours chez Kina Publication. Bon, remarquez donc,
La venue du Seigneur Jésus est tellement proche que l'esprit qui avait commencé ici, juste un peu, avec la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, nous sommes juste au temps de la venue de la pierre principale, pierre de fête. L'Église doit être si parfaitement semblable à Christ, que Christ et l'Église pourront s'unir le même esprit. Et si l'Esprit de Christ est en vous, il vous fait vivre la vie de Christ, mener la vie de Christ, faire les œuvres de Christ. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. C'est juste qu'il a dit. Voyez, maintenant, nous allons voir. Il y a un ministère qui va venir, qui reproduira très exactement la vie de Christ. Qu'est-ce que ce ministère-là identifie? La venue du Seigneur. Adoption, le 22 mai 60, paragraphe 33, 60 matin. Dieu cherche à placer son peuple. Et quand Dieu place une personne, alors l'Église tout entière voudra être comme cette personne-là. Avoir le même genre de choses, faire les mêmes choses. Nous sommes taillés différemment. Nous sommes faits différemment. Nous avons des natures différentes. Et nous sommes placés dans des positions différentes. Chacun pour un travail différent. Peut-être que l'un, c'est pour un genre de travail plus modeste et l'autre pour un travail de plus grande envergure. Moi, je ne serai pas comme Frère Branham. Je ne serai jamais comme Passé Baruti ou bien Passé Vibidila Dioc ou bien Rosco ici ou bien Pasteur Marcel Tchondo. Tous ces pasteurs-là, ou bien pasteur Panzou, je ne serai pas comme eux. Je ne serai pas comme pasteur Joël. Mais nous tous, nous avons une chose à faire. Dans la brochure, le Fils de Dieu manifesté. Prêcheur le 18 mai 60, paragraphe 198. Qu'est-ce que le corps de Christ? Les uns sont apôtres, les autres sont prophètes, les autres sont docteurs, les autres sont évangélistes, et les autres sont pasteur. N'est-ce pas vrai? Nous sommes appelés à cela. D'autres ont les dons, les langues, l'interprétation des langues, la sagesse, la connaissance, les miracles, opérer des miracles, toute être diversité de dons. Donc, je voulais éclaircir sur ces points ici. Nous continuons. Nous parlons de la commission, véritable commission, au lieu des signes du Messie qui était la volonté permissive. C'est la parole qui nous amène à la statue de l'homme parfait. C'est la parole de Dieu qui nous amène à la statue de l'homme parfait. Lisons ça. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 jusqu'à 12. 2 Pierre. C'est la parole ici, le message qui nous amène à la perfection, à la statue de l'homme parfait. 2 Pierre chapitre 3, chapitre 1 verset 3 à 12. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. 2 Pierre chapitre. Okay. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre votre foi à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Et enfin, si ces choses existent en vous et s'y multiplient et ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés.
Mais pour que ces vertus t'amènent à la sainteté de l'homme parfait, tu dois d'abord être justifié, sanctifié et baptisé du Saint-Esprit. C'est alors que Dieu va commencer à ajouter ses vertus jusqu'à t'amener à la pierre des fêtes. C'est ça le but de ce message, la commission même. Pour nous restaurer. Donc, le message ici, c'est le message de la restauration. C'est cette commission que Dieu a donné à Branham pour que nous puissions croire avoir la foi parfaite, la foi de l'enlèvement, la foi de cet tonnerre. C'est pour nous restaurer. Lisons ça. Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4, versets 5 et 6. Malachie 4, 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant les jours de l'Éternel, jour grand et redoutable, il ramènera les cœurs des pères à leurs fils, et les cœurs des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Beaucoup de gens disent Malachie 4, c'est Frère Branham, c'est le nom. Malachie 4, il y a Frère Branham qui amène les cœurs des enfants au père. Il y a Jean-Baptiste et dans Malachie 4. Il amène les cœurs des pères aux enfants. Et il y a nous. Nous sommes là. On restaure nos âmes. Mais pourquoi vous voulez toujours dire Malachie 4, c'est Branham? Et ils disent même que Apocalypse chapitre 10, c'est Frère Branham, c'est le nom. Branham, il est Apocalypse chapitre 10, verset 7. Mais verset 8 jusqu'à 11, mais c'est nous, l'épouse, on doit manger les petits livres pour prophétiser. Donc nous sommes dans Apocalypse 10, nous sommes dans Malachie 4, et nous, maintenant, cela manifeste Luc 7, 30. Allons-y. Joël 2, 25 à 28. Joël 2, 25 à 28. Le message que nous avons, c'est le message de la perfection, le message de la restauration. C'est venu pour nous restaurer. Vous devrez être restauré. Joël 2, 25 à 28. Je vous restaurerai les années qu'a dévoré la sauterelle, les grillons, les criquettes et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez et vous louerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait des miracles pour vous. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous reconnaîtrez que moi, je suis au milieu d'Israël, moi l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Maintenant, je vais parler sur le troisième point. J'ai terminé le point de la commission. Maintenant, je parle, Frère Branham n'est pas le Messie ouin. Il est le Messie de l'âge, comme Moïse, comme Jérémie, comme Joseph. Mais n'est pas le Messie ouin comme Jésus. Lisons ça. On commence d'abord à savoir qu'est-ce qu'un Messie. Le Messie d'abord, le mot Messie c'est quoi? Page 8. Frère Branham dit ceci dans la brochure. Le Messie prêché le 17 janvier 61. Le Messie, Frère Branham dit, le Messie c'est le ouin. L'onction, les rois ouins. Messie, c'est en hébreu. En grec, signifie Christ. Lisons. Paragraphe 13, Frère Branham dit, ce soir, je désire centrer mon sujet sur le mot le Messie. Le mot lui-même signifie les ouins. Ou ça pourrait être utilisé pour signifier les rois ouins. Ou cela signifie aussi Christ. Qu'est-ce que le Messie? Comme on a dit dans la brochure, le Christ identifié dans tous les âges, prêché le 1er avril 64, paragraphe 185. C'est ça le signe du Messie. Ne voyez-vous pas? C'était le Messie qui était à Moïse. C'était le Messie à Enoch. C'était le Messie dans chaque âge. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est Christ tous les temps. Moïse était le Messie dans son époque. Même Enoch, tout ça.
Allons-y. Nous parlons du Messie. Qu'est-ce que le Messie? Branham est Messie, oui. Où est le problème? Mais il n'est pas le Messie, ouais. Dans la brochure, Dieu dévoilé, prêché le 14 juin 64, matin, paragraphe 186, 187. L'onction est une personne. Or, Messie, c'est l'onction. Le mot Christ veut dire quelqu'un qui est oint. Voyez-vous? Le oint. Alors, Moïse était Christ à son époque. Moïse était le Messie à son époque. Il était le oint. Jérémie était Christ à son époque. Jérémie était le Messie à son époque. Avec une portion de la parole pour ce jour-là. 187. Mais quand Jésus est venu, il est venu comme le oint rédempteur. Et là, c'était à la fois Moïse et tout ce qui était dans Moïse et toute la parole, toute la divinité corporellement qui était en lui. C'est pour cette raison que le voile du temple s'est déchiré complètement et que le propitiatoire a été parfaitement exposé au regard. Il est le oint. Chaque âge a un Messie, un oint. William Branham, c'est le Messie, le oint de l'âge de la Odyssée. Mais il n'est pas le Messie oint Jésus-Christ qui avait toute la plénitude de la divinité en lui. Lisons ça. Dans la brochure, dans le message, question et réponse numéro 1, prêché le 23 août 64. Question 265. On pose la question à Frère Branham, généralement, beaucoup de ceux qui suivent votre message croient que vous êtes le Messie de ces jours. Est-ce juste? Il répond, paragraphe 232. Premièrement, je ne suis pas un Messie. Voyez-vous, le Messie est Jésus-Christ. Mais nous sommes tous des messiettes. Il dit, il est le Messie, Branham. Nous sommes des messieurs. Messie signifie le oint. Oint. Et en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. En moi, Branham habite seulement une partie de son esprit, comme ceux qui habitent en vous. J'ai reçu un don pour connaître des petites choses et voir d'avance les choses. Cela fait que je reste malgré tout votre frère. Voyez-vous? Je ne suis pas le Messie oint. Je suis votre frère. Voyez-vous? Juste un berger du troupeau. Et si je vous disais que je suis le Messie, je serais un menteur. Voyez-vous? Et je ne veux pas être un menteur. Nous continuons de parler du Messie parce que les gens confondent beaucoup Branham avec Jésus. Branham lui-même va nous parler. Dans la brochure, dès ce moment, prêcher les deux Mars 60, Fobanam montre que Jésus était le Dieu prophète. Lui, il est seulement le prophète de Dieu. Et lui, en tant que prophète, il a l'esprit de Messie qui l'utilise. Lisons ça. Paragraphe 39. Jésus a dit, je le suis. Et elle a laissé tomber la criche et s'en est allée. Si elle pouvait se tenir sur l'estrade ce soir, elle dirait, j'étais vil et immoral. Mais j'ai lu dans la Bible le passage où il est dit qu'il doit être le Dieu prophète, Jésus. Quand cet homme m'a dit, il était comme, juste comme un homme. Mais quand il m'a parlé de ma vie, j'ai su que c'était là le signe du Messie. Donc, un prophète a une portion de l'esprit du Messie, comme Frère Branham. J'ai donc dit, Seigneur, donc c'est un peu ça. Faut maintenant continuer. Dans la brochure, parle à ces rochers, prêchez le 12 juin 60, paragraphe 77. Oh Seigneur. Eh bien, s'il est le Messie. Bon, dans la brochure, le Messie, prêchez le 17 juin 61, paragraphe 60. Je parlerai du Messie et des Messiettes. Ils sont aujourd'hui la lumière de l'Église, la lumière du monde. Dans la brochure, la voix du signe, prêchée le 13 mars 64, paragraphe 56. Voilà me dit, qu'était le Messie?
Le Messie était la parole dans sa plénitude, dans sa totalité. Il était la plénitude de Dieu. Les prophètes étaient une petite lumière vacillante. Dans la brochure, la voix du signe, prêchée le 21 mars 64, Fobanam dit, paragraphe 248. Et il est le même Messie aujourd'hui qu'autrefois, seulement sans son corps physique ici sur terre. Il a envoyé son esprit pour utiliser votre corps, mon corps. Maintenant, vous pourrez ne pas être capable de faire ceci. Nous, on ne fera pas le discernement comprenant. Hein? Nous savons, selon les Écritures, qu'il n'y a qu'un seul dans une génération. Mais, voyez, mais cependant, vous pouvez croire cela. Vous aurez aussi vous, autre chose que vous pouvez faire. Tout le monde a quelque chose à faire. 249. Et si mon doigt décide que, parce qu'il n'est pas mon œil, il ne va plus me servir de doigt. Et si mon bras dit, je ne vais plus me lever parce que je ne suis pas un œil ou une oreille, je ne vais plus être un bras, eh bien, il handicaperait mon corps. Soyez ce que Dieu a fait de vous. Nous sommes dans un corps. Il y a les bras, il y a les dents, il y a les yeux, il y a... Toute personne a quelque chose à faire dans le corps mystique de Christ. Faut maintenant continuer. Question-réponse. Oh. Voilà, on me dit ici, les signes du, dans la brochure, les signes de sa venue, prêché le 7 avril 62, paragraphe 122. Si c'est la venue d'un Messie et que nous sommes des messiettes nés de nouveau en tant que des fils de Dieu adoptés. Ici, il dit, dans la brochure, le Christ identifié dans tous les âges, prêché le 9 avril 64, paragraphe 136. Si Dieu, après 1900 ans, se tient juste ici, s'identifie lui-même comme étant ressuscité des morts et prend les mortels et se manifeste comme étant le Messie dans tous les âges, le même Messie accomplissant la même chose par le même signe. Il est ressuscité des morts. Il a promis qu'il ferait cela juste avant sa seconde venue et avant la destruction du monde des gentils. Dans la brochure, question et réponse numéro 3. Prêchez le 38, 64 matin. Question 329. Veuillez expliquer ceci, s'il vous plaît. Les gens disent que Frère Branham est plus qu'un homme qu'il peut créer et que Jésus peut avoir exactement les mêmes apparences que Frère Branham. Maintenant, écoutez. La réponse de Frère Branham, 87. Maintenant, laissez-moi, cette personne, bon, Jésus est votre sauveur. Je ne peux pas être votre sauveur, car lui vous a déjà sauvé. Je suis votre frère. Maintenant, là, vous êtes tout près de la vérité, et en même temps, très loin de la vérité. Personne n'a reconnu cette personne ici. Maintenant, 88. Maintenant, Frère Branham, Jésus pourrait-il vous ressembler? Ou seriez-vous Jésus? Ou quelque chose comme ça? Dans un sens du mot, c'est l'exacte vérité. Dans un autre, c'est Antichrist. Voilà la différence entre le juste et le faux. Faire de moi la personne du Seigneur Jésus-Christ serait Antichrist. Voyez-vous? Car cette personne-là du Seigneur Jésus est assise à la droite de la majesté dans les lieux très hauts. Elle reviendra avec une grande puissance et avec une grande gloire. Mais que sa vie qui était en lui soit sur moi et sur vous qui le possédez, c'est l'exacte vérité et vous devenez Christ. 89. Si vous avez le Saint-Esprit, vous devenez le oint. Donc, si quelqu'un a le Saint-Esprit, il devient un oint. 91. Mais moi, en tant qu'une personne, William Branham, ou n'importe quel autre homme ou femme, être le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, cela est une erreur. Mais quant à être oint de son esprit, qui amène en vous la vie de sa propre personne, c'est la vérité. Frère Branham maintenant nous avertit. Il dit qu'il y a les gens qui viendront
quand lui va mourir, qui vont dire que Branham, il est le Messie, il est Jésus. Il dit que faites attention, n'écoutez pas ces gens-là. Écoutez, exposé de cet âge de l'Église, page 328 et 2. Je voudrais faire encore une comparaison entre le messager prophète de Laodicée et Jean-Baptiste. Le messager prophète qui a précédé la première venue de Jésus. À l'époque de Jean, les gens ont pris Jean-Baptiste pour le Messie. Jean 1, 19, 20. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi qui es-tu ? » Il déclara, et sans restriction, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Or, ce messager prophète du dernier jour, donc William Branham, aura une telle puissance devant le Seigneur qu'il y en aura qui le prendront pour le Seigneur Jésus. Dans les derniers temps, il y aura dans le monde un esprit qui séduira plusieurs et leur fera croire cela. Maintenant, Matthieu 24, 23 à 26. Car s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, et ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Branham nous avertit déjà. Et ils sont là nombrés dans les messages aujourd'hui. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Dans les chambres, n'y croyez pas. Mais ne vous y laissez pas prendre. Il n'est pas Jésus-Christ. Il n'est pas le Fils de Dieu. Il est un des frères, un prophète, un messager, un serviteur de Dieu. Il n'a pas besoin de recevoir un plus grand honneur que Jean en a reçu quand il était là, la voix qui criait, « Je ne suis pas le Christ, mais le Christ vient après moi. » Dans la brochure, « Messieurs, nous voudrons voir Jésus prêcher le 4 mars 64, paragraphe 30. » Maintenant, vous voyez, quand l'homme était loin, comme Joseph, il représentait Christ. Quand Moïse était loin, il représentait Christ. Quand David était loin, il représentait Christ. Tout menait à Christ. Et lui était la plénitude de la parole. La parole a été manifestée en lui. Il était le loin en entier. Et il l'avait en partie. Nous, aujourd'hui, nous l'avons en partie. Lui était le loin. Le plan de Dieu tout entier reposait en lui. Tous les plans de la rédemption reposaient en Jésus, pas en Branham. Le plan de Dieu avait, avant la fondation du monde, de racheter un monde perdu, était en lui. Il était la parole. Il est encore la parole. Il est même hier, aujourd'hui, éternellement. Rappelez-vous, il est venu au Père à travers les prophètes. Il s'est fait connaître à travers les prophètes. Et puis, dans ces derniers jours, il traverse son Fils, Jésus-Christ. C'est manifesté. Vous comprenez? Ici, je voulais vous montrer. Frère Branham, il travaillait le signe du Messie là, il le faisait par un don. Ce n'est pas que la colonne de feu venait entrer en Branham au bout. Non. Branham dit que la colonne de feu n'est pas venue pour lui seul. C'est venu pour l'Église. Comme la colonne de feu n'était pas pour Moïse seul, c'était pour Israël. Je vais lire ça. L'onction venait oindre les dons, s'installer oindre les dons. Maintenant, ça partait chez les gens qui avaient la foi pour que Branham voie comme la télévision commence à discerner. C'est les dons qui étaient en Branham dans les subconscients. Vous savez, les dons et le ministère sont dans les subconscients. Mais Jésus avait la plénitude dans son âme. Mais Branham, dans son âme, il avait le Saint-Esprit seulement. Mais sauf qu'il avait les dons et le ministère de l'âge dans les subconscients. Que l'onction venait oindre pour manifester les signes du Messie. Lisons ça. On va éclairer pour qu'il n'y ait plus de confusion dans le monde du message. Frère Branham dit ceci. Dans la brochure, une robe d'occasion, prêchée le 6 décembre 56, paragraphe 94. Maintenant, le Messie peut par un don divin descendre, révéler à cette femme c'est pourquoi elle se tient ici. C'est que son problème, de même qu'il avait fait pour cette autre femme-là. Donc, le Messie le faisait par un don qui était en Branham. Il n'y avait pas une plénitude qui venait entrer en Branham. Elohim commence à discerner. Non, ça c'était en Jésus et là-bas, chez Abraham. Mais chez Branham, c'était le prophète de l'âge.
Le prophète d'Élie, Dieu utilisait les dons. Il utilisait les dons. Je pense que je vais entrer en profondeur avec cela. Il dit, dans le loin du temps de la fin, il dit que vous avez la confusion. L'ange n'est pas le fils de l'homme. L'ange révèle seulement le fils de l'homme. On va lire ça. Allons-y maintenant. Ici, nous allons au quatrième point. Frère Branham n'est pas le fils de l'homme. Mais il est un fils de l'homme qui révèle le fils de l'homme au public. Nous allons lire ça. Lisons ça. Dans la brochure. Ok. Écoutez ce qu'on a dit. Frère Branham dit ceci dans la brochure L'ange de l'Alliance prêchait le 1er mars 54, paragraphe 50 et 59 aussi. Or, c'était la colonne de feu qui a été rendue manifeste ici sur terre, suivant la volonté de Dieu. Maintenant, ce soir, après 1900 ans, nous avons cette même colonne de feu parmi nous. Vous avez acheté sa photo il y a quelques instants, je le dis avec respect. Preuve scientifique à l'appui. Si je mourais cette nuit même, or cette colonne de feu n'a rien à faire avec moi, Branham. Je suis juste un homme. Cette colonne de feu est dans l'église. Non seulement avec moi, Branham, elle est avec chacun de vous. C'est nous tous. Vous voyez, c'est là, dans l'autre livre là, où on a photographié cela une nuit. Cela a été descendu au-dessus de la tête. Or, ce n'est pas à cause de moi, mais c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. C'est ça la preuve même des retours de la colonne de feu. La même colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël suit l'église du Saint-Esprit ce soir. Moïse était juste un des prophètes parmi les enfants d'Israël. Ils n'étaient pas les enfants d'Israël. Il était juste un d'eux. Voyez, la colonne de feu ne suit jamais Moïse seul. Même s'il a dit, j'enverrai mon ange devant toi pour te protéger en chemin. Ce n'était pas pour Moïse seul, c'était pour tout Israël. La colonne de feu n'est pas venue pour Frère Branham seul. Vous le voyez sur la photo. C'est venu dans l'église, nous tous, ça est sur nous tous, c'est lui qui a le Saint-Esprit, la colonne de feu sur lui. C'est ce que Branham dit. Dans la brochure, question et réponse numéro 2, prêchez le 23-8-64 soir, question 291. Certains disent que Frère Branham est le fils de l'homme. Je pensais que la colonne de feu était le fils de l'homme. Suis-je dans l'erreur? Ça est un. Eh bien, c'est une bonne question, une très bonne. Seulement, je ne suis pas le fils de l'homme. Mais un fils de l'homme, c'est bien différent. Jésus-Christ était le fils de l'homme, le fils de Dieu, le fils de l'homme, le fils de David. 103. Je ne suis pas le fils de l'homme ouin. Frère Branham n'est pas le fils de l'homme ouin. Il n'est pas le Messie ouin. 105. Et c'est la colonne de feu, c'est l'onction. Ce n'est pas le fils de l'homme. La colonne de feu, c'est l'onction. 117. Je ne suis pas le fils de l'homme. Je suis son serviteur. Et la colonne de feu, ce n'est pas lui. C'est celle qui s'est trouvée sous forme d'esprit sur le fils de l'homme. Voyez-vous? Et qui est venu, la colonne de feu qui est venue maintenant pour rendre des fils de l'homme au pluriel. Pas un fils de l'homme aujourd'hui. Branham dit, la colonne de feu est venue rendre des fils de l'homme au pluriel. Donc, nous tous sommes des fils de l'homme. Branham dit, tout prédicateur est un fils de l'homme. Est un prophète aujourd'hui. Mais Branham, il est le prophète majeur, l'herbe agitée, qui devrait d'abord manifester. Nous, nous venons dans les messages avec des petites portions pour manifester. C'est là ce que Branham dit ici. La colonne de feu est venue pour rendre des fils de l'homme.
et ramener un ministère exactement comme il l'avait annoncé, afin que la tête et le reste du corps se rejoignent. Lisez ça. La colonne de fer venir vendre des fils de l'homme, pas un fils de l'homme, au pluriel aujourd'hui. Dans la brochure, le Wendt du temps de la fin, prêché le 25 juillet 65 matin, paragraphe 260. Au jour même où le Fils de l'homme sera révélé. Apocalypse 10, 1 à 7. Lisez quand vous remettez chez vous. Le message du septième ange qui ouvre les seaux. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'ange qui est le Fils de l'homme, mais il est le messager qui révèle le Fils de l'homme. Pouvez-vous faire la distinction maintenant? C'est ça qui vous semble tellement difficile. Voyez-vous, pas le Fils de l'homme lui-même, mais le septième ange, le septième messager révèle le Fils de l'homme au public parce qu'il a quitté la balle. Il ne peut pas en faire une organisation. C'est la graine lui-même de nouveau. Dans la brochure, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, prêché le 5 février 61, paragraphe 72. Peu importe à quel point il peut me oindre, il doit vous oindre aussi. C'est Branham qui dit. Il doit donc vous oindre et il doit me oindre moi aussi. Et cela montre au monde que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui pour toujours, car il opère dans son église, dans une chair humaine. Chair humaine, c'est la chair de son église. Qu'il a sanctifié avec son propre sang, en vue de se manifester. Se montrer le même hier, aujourd'hui pour toujours. Oh, il y a beaucoup ici. Vous pouvez lire aussi. Essayez de rendre service à Dieu. Paragraphe 212. Vous pouvez lire aussi. C'est lever du soleil, prêché le 18 avril 65. Paragraphe 89. C'est pourquoi on devait agiter cette gerbe, car elle était la première à arriver à la maturité. Elle était agitée en témoignage d'action de grâce envers Dieu, dans l'espoir que le reste des gerbes arriveraient aussi à la maturité. C'est un signe. Frère Branham, un prophète, c'est un signe. Dieu l'a utilisé. Mais aujourd'hui, c'est nous, les Éphésiens 4, les 1 Corinthiens 2, qui doivent continuer avec le message. Dans la brochure, nous devrons voir Jésus. Mais si nous devrons voir Jésus, voudrons voir Jésus. Prêchez les 4, 7, 62. Paragraphe 212. Vous direz, frère Branham, n'attendez-vous l'ange du Seigneur? Évidemment, je ne peux rien faire. Je l'attends. S'il ne me oint pas, je ne peux rien dire. Ces masses n'héritent pas avec la balle. Le 29 avril 65, 78. Jésus était Dieu, il était son Père, était le grand Logos lui-même. Il ne pouvait pas tout déverser à Moïse, car Moïse était un prophète. Dieu dévoilé. J'ai déjà lu. Allons-y seulement. Je crois que il y a beaucoup ici. Dans la brochure, la voix du signe. Prêché le 13 mars 64, paragraphe 229. Le Messie est ici. Le Messie d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Donc le Messie aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Le Messie qui produit la confirmation de la parole de sa promesse. Seigneur Jésus-Christ. Dans la brochure démonologie, prêché le 9, 6, 53, 40, Branham montre comment il faisait le discernement. Et j'observe l'ange du Seigneur. Quand il se tient ici, je peux le sentir. Il me oint. Il s'installe en lui. Il oint les dons à Branham. Ensuite, je vais sentir qu'il s'éloigne de moi. Et je vais observer. Il va partir et aller quelque part, se tenir là un petit moment. Et je peux le voir. Et ça va se mettre à briller. Et une vision va venir. Alors, je vais avoir la vision. Je vais observer l'aspect de la personne qui est là, dans ce coin-là. Je trouve la personne ensuite, je parle. Voilà ce qui se produit à la chair. Voilà ce qui arrive. On n'est pas obligé de le dire à tout le monde. Mais voilà ce qui se produit. Vous voyez, tout cela, c'est dans le domaine spirituel. Fouanam dit,
que nous allons manifester le troisième pôle. Nous allons manifester le troisième pôle. Et c'est le troisième pôle que nous allons manifester qui va résister même des morts. L'épouse va manifester le troisième pôle. Quand on va commencer à nous persécuter, Branham dit, nous allons manifester le troisième pôle. Et les morts vont résister. Nous allons prononcer la parole. Alors, nous allons créer même des choses. Bon, je ne suis pas là pour parler ça. Je risque de quitter mon sujet. Maintenant, je termine avec le prophète est un discerneur de pensées. Tout prophète est un discerneur de pensées. Tout prophète est un discerneur de pensées. Hébreux 4, 12, Luc 30, nous avons vu tout cela. Et puis, Branham se réfère beaucoup à Elohim chez Abraham parce qu'Abraham était un gentil. Nous pouvons lire ça. Et puis, Frère Branham, il avait le sein des désirs, pas pour le temps imparti. Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit ici comme ça. Il dit, dans la brochure, il dit dans la brochure, expectative, prêchée le 8 mars 61, paragraphe 34. La Bible dit dans Hébreux 4 qu'Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu. Et nous sommes censés être la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham, c'est le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Car nous qui sommes morts en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Et c'est vrai, le Saint-Esprit fait de nous la postérité d'Abraham. Abraham n'était pas un juif. Abraham était un gentil. C'est Branham qui l'a dit. C'est pourquoi il se réfère toujours à Genèse 18. Maintenant, un prophète, c'est un discerneur de pensée. Lisons d'abord ça. Voilà, me dit, Jésus était Dieu prophète, mais lui était prophète de Jésus. Il disait ça. Voilà, me dit ceci. Dieu est identifié par ses caractéristiques, prêché le 11 mars 64, paragraphe 110. Vous voyez, cela montrait ce qu'il était, le prophète, Dieu prophète. Plus qu'un prophète, il était Dieu. Tout ce que le prophète avait été se trouvait en lui. Et plus il était plus que le prophète. Plus le prophète n'avait qu'une portion de la parole, de l'érage. Lui avait toute la parole. Il était la parole dans sa plénitude. Mais, remarquez, Dieu a plusieurs reprises tout ça. Jésus était comme l'océan. C'est ce que Branham dit. Jésus était comme l'océan. Lisons d'abord, prophète, qu'est-ce qu'un prophète? Que signifie le prophète? C'est tout un syllabus ici. Qu'est-ce qu'un prophète en général? Un prophète, c'est un réflecteur ou miroir de Dieu ou encore une porte-parole de Dieu. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Un prophète, c'est l'interprète ou révélateur de la parole écrite et la parole écrite pour sa propre vie, sa génération. Un prophète, c'est un discerneur de pensées. Un prophète, c'est un voyant. Un prophète, c'est un prédicateur. Un prophète, c'est un Dieu dans la chair humaine. C'est ce que Branham dit dans la brochure, le seul lieu d'adoration, prêché le 28 novembre 65. Un prophète est un réflecteur de Dieu. Un prophète reflète la parole et de son. Dans l'enlèvement, prêché le 4 décembre 65, paragraphe 134, Branham dit, il est un réflecteur de la parole de Dieu. Dans la brochure, les choses qui doivent arriver, prêcher le 5 décembre 65, paragraphe 28, Frère Branham dit, il est la parole parlée de Dieu. Dans la brochure, entendre, reconnaître et agir, prêcher le 7 juin 60, paragraphe 41, Frère Branham dit, un prophète, il est un interprète de la parole divine de Dieu. Dans la brochure, un paradoxe, prêcher le 6 février 64, paragraphe 177, Frère Branham dit,
Alors un prophète, non seulement il apporte la parole, mais il annonce aussi des choses futures et il est un interprète divin de la parole divine écrite. Dans la brochure Les Investissements, prêchée le 16 novembre 63, Wanam dit paragraphe 116, le mot prophète est un mot composé qui signifie un révélateur des Écritures, quelqu'un qui prédit des événements à venir. Il continue, pour montrer que dans Dieu ne change pas son message. Dans chaque âge, Dieu a toujours utilisé non pas une organisation, ni un groupe ou un système, mais un homme. Dans la brochure, les fêtes des trompettes, prêchée le 19-7-64-87, un prophète, ça ne signifie pas seulement un voyant ou quelqu'un qui annonce quelque chose. Ça signifie quelqu'un qui révèle la parole qui est écrite dans sa propre vie. C'est propres œuvres révèlent, confirment la parole. Un prophète doit être un avec son message. Si un prophète n'est pas un avec son message, c'est un faux prophète. Branham doit être un avec son message. Dans les messages, messieurs, nous voudrons voir Jésus le 4 mars 64, paragraphe 28. Abraham était considéré comme un dieu. Élie était un dieu. Esaïe était un dieu. Car la parole de Dieu venait à eux. Ils étaient partiellement des dieux. Jésus a dit qu'ils étaient des dieux. Vous les appelez des dieux. Jean chapitre 10, versets 30 à 35. Allez lire ça. Dans la brochure, puis Jésus vint et appela. 17 avril 64, paragraphe 86. Dieu ne dit pas à ses prophètes tout ce qu'il va arriver. Dieu ne révèle tout pas à ses prophètes. Un prophète. Donc, c'est ça la nature d'un prophète. Mais, Jésus était Dieu prophète. Foi Banham était le prophète de Jésus-Christ. Comment vous voulez comparer une créature à son créateur? Branham, c'est une créature de Jésus. Mais vous voulez comparer une créature à son créateur? Seigneur Jésus-Christ. Oh, God. Je pense que je dois terminer maintenant. Dans la brochure, ces paroles infaillibles des promesses prêchées le 20 janvier 64, paragraphe 151, Shekinah Publication. Je lis plus Shekinah. Maintenant, qu'essayons-nous de présenter Jésus-Christ? Combien comprennent cela? Combien savent qu'au jour où il nous a visités sur la terre, il était Dieu manifesté dans un corps appelé Jésus? Que c'était Dieu dans l'homme? C'est juste. Pas simplement un prophète, il était Dieu. Les prophètes avaient leur portion de la parole. Ils sont une partie de la parole, la portion qui leur était donnée pour cet âge-là. Mais lui, Jésus, était la plénitude de la parole. Combien le savent? Moi, frère Branham, je le sais. Il était la parole même. Maintenant, il y a une portion de la parole pour aujourd'hui. La portion-là est venue avec Frère Branham. Et c'est vrai, cela devrait encore être lui. Et c'est vrai, ainsi cela fait de lui le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de citations ici. J'ai sauté. Donc, je voulais seulement vous montrer que les signes du Messie, le discernement que Frère Branham faisait là, c'était la volonté permissive de Dieu. Et il ne faisait pas avec la plénitude de Dieu en lui. Il le faisait par la colonne devait venir oindre les dons pour attirer les gens à la commission, à la parole, pour attirer les élus. C'est ça vraiment le but. Et comme Frère Branham le dit lui-même, il dit, quand Dieu envoie, d'abord Dieu doit envoyer un messager. Et quand le messager vient, il dépose la parole. Il part. Et maintenant, les autres restent maintenant avec le message là pour propager aussi dans le monde entier. Ce qu'ils disent dans la brochure, les messagers du soir. Prêché le 16 janvier 63, paragraphe 89. Par conséquent, quand Dieu envoyait ses prophètes, ses messagers du Nouveau Testament, il s'adressait à un seul homme. Aujourd'hui, il s'est adressé à William Branham, non pas à un prédicateur, un Éphésiens 4, non.
ces messagers du Nouveau Testament, ils s'adressaient à un seul homme. Et cet homme devait apporter le message, comme Frère Branham apportait le message. À partir de lui, d'autres allaient partout apporter le même message. Mais il devait y avoir un quartier général. Est-ce que c'est Jeffersonville? Non. Dieu en a toujours eu un. Je suis heureux qu'il en ait un ce soir. C'est le Saint-Esprit. Bien sûr, nous le savons tous. Eh bien, il ne s'agit pas d'un groupe, mais c'est le Saint-Esprit qui est le quartier général de Dieu. C'est-à-dire le messager de Dieu de l'air. C'est le Saint-Esprit qui est messager aujourd'hui. Messager céleste. Branham est le messager terrestre. Messager céleste, c'est le Saint-Esprit qui est venu rencontrer le messager terrestre. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, j'ai été vraiment dérangé avec les appels. Aide ta fille, ton fils qui m'a suivi quelque part. S'il y a des remarques, je sais que les frères vont les écrire en bas là-bas, que je peux encore corriger. Je bénis ton grand Saint-Nom pour ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen.